Réhabilitation de la route, on en parle dans le 6e arrondissement de Libreville. Les populations du quartier Ondogo éprouvent d'énormes difficultés du fait du mauvais état de la voie. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Association des jeunes émergents volontaires par le biais de la société Corail Équipement Construction. Constant de Evra Pitake et Louis Bestard, Les Nyongo. Désormais, cet axe routier sera praticable en toute saison. Initié par la cellule féminine de l'Association des jeunes émergents et volontaires, la réfection des voiries du quartier Andoro dans le 6e arrondissement de Libreville traduit la volonté de cette association de voler au secours des populations. La cellule féminine de la JEF s'est levée un peu pour venir poser des actions. Le plus souvent, on est passé le terrain, donc on a réfléchi pour faire quelque chose aujourd'hui. En faisant quelque chose aujourd'hui, nous avons choisi ce site. Parce que le plus souvent, les gens posent des actions, mais ils ne viennent pas dans les mapanes. Tu vois, c'est là une des miennes est venue vers nous demander de l'aide. Donc c'est là où les femmes se sont levées pour venir ici. L'action, c'est pour améliorer normalement la condition de vie des gens. On n'a pas beaucoup de choses à dire, c'est seulement pour venir aider ceux qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Une action sociale qui pourra faire oublier aux populations le calvaire subi jusqu'ici dû au mauvais état de la route. Je remercie d'abord les organisateurs, n'est-ce pas, de ce projet, c'est-à-dire ceux qui ont eu à penser à nos populations ici, pour venir nous réhabiliter la route. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'on mette les pavés pour qu'à l'avenir, cette intervention avec les pluies ne vienne plus nous déranger. Parce que ce qu'on fait là, c'est bien, on est content, mais avec les pluies, est-ce que ça va tenir longtemps? L'altruisme, une recette de la JEF, mise en évidence à travers cette réalisation, qui a suscité une forte mobilisation. Il n'y a pas de secret, c'est juste qu'au sein de la JEV, ce qui compte avant toute chose, c'est l'altruisme. C'est prendre soin des autres, c'est s'investir pour le bien-être des autres. C'est ça notre valeur première et c'est ce qui a fait que depuis le début, la JEV a réussi tous les projets qu'elle a menés. Ce sont les autres qui passent avant nous-mêmes. Voilà. La JEV est une association qui prône les valeurs sociales. Pour preuve, cette 1e sortie au bénéfice des populations.